WordPress a un quatrième et dernier article pour notre site sur les t-shirts. Je reviens donc sur le front office de la vidéo précédente, puisque en fait je n'ai pas présenté le résultat de notre dernier article, c'est-à-dire les stars s'approprient le t-shirt. Si je clique dessus, je tombe bien sûr sur cet article avec la photo en gros de cet acteur, puis le texte « Les stars s'approprient le t-shirt », on voit bien la numérotation qui se fait bien, l'image qui est bien centrée, et enfin le bouton qui est ici. Si je clique dessus, nous tombons bien sur le t-shirt et la mode. Donc il y a bien eu un renvoi d'un article vers un autre article grâce au bouton. Je voudrais cependant revenir ici et créer un bloc espacement entre le bouton et ce dernier paragraphe. Pas un bloc espacement, pardon, un bloc séparateur qui me fera trois petits points ou un trait continu. Après ça, on verra ce qui est le plus approprié. Je pense que trois petits points au milieu, ça pourrait être un peu plus sympathique. Donc je reviens sur mon back-office. Imaginons que je ne sois plus sur cet article, mais que je sois ici. Donc on a bien la liste de nos trois articles. Le dernier article s'intitule « Les stars s'approprient le t-shirt ». Je vais cliquer dessus. Et pour pouvoir faire ma modification, puisque je voulais rajouter un séparateur entre le texte de conclusion et le bouton, donc je vais appuyer sur « Entrée ». Et là, donc, je vais faire un plus avec... Dans le moteur de recherche, je vais noter tout simplement « séparateur ». Le séparateur va donc me faire un trait continu de ce type-là. On a d'autres possibilités. On pourrait faire une ligne large, par exemple, qui ferait donc un trait complet ou pointillé. On va laisser la valeur par défaut qui fait un petit trait et qui est assez sympathique. Je mets à jour mon contenu et on voit bien sûr que l'actualisation se fait en temps réel, puisque si j'actualise mon fichier, eh bien, j'ai immédiatement ce petit trait en plus. Nous allons donc terminer notre série sur la création, la réalisation d'articles avec un quatrième article. Je retourne sur le back-office, je clique sur le W pour retrouver mon espace de création d'articles et je vais rajouter un quatrième et dernier article. Alors, je vais faire « Ajouter ». En cliquant sur le bouton « Ajouter », je vais pouvoir rajouter mon article 4 qui se trouve ici et dont l'intitulé est « Les étapes de fabrication d'un t-shirt ». On va coller ça. On va le recoller ici, dans le titre. Et enfin, on va s'occuper, article 4, du texte. Où là, j'ai encore une numérotation. Et je vais coller tout cela. On va donc structurer avec des sous-titres de niveau H2, pour tout ce qui est numéroté. Donc, je rappelle, on fait clic sur le paragraphe, on va noter titre, et il est par défaut en H2. Et on va répéter ça sur les 10 points de titre. Alors, on va le faire sur le 5. Sur le 6. Sur le 7. Il m'en reste encore 3 sur le 8,
le 9. Et sur le 10. Voilà, j'ai structuré en titre et sous-titre l'ensemble de mes niveaux. Le dernier paragraphe, qui se trouve ici, ce processus, je regarde ces petits points là, qui me paraissent un peu bizarres. Ah oui, non, c'est les deux points de la fin de ma phrase. Ok, on retouchera de toute façon tout ça lorsqu'on fera du theming, lorsqu'on fera du design en fait. Ce dernier paragraphe, ce processus bien que simplifié, on va essayer de le changer un petit peu de mise en forme. On va donc demander à ce que le texte soit vert clair. Donc je vais sélectionner ce paragraphe, je vais aller dans bloc, et le texte, je vais sélectionner un vert clair. Et puis on va essayer de mettre un arrière-plan noir. Est-ce que c'est visible? Oui, ça reste bien visible, donc c'est parfait. La taille, on va changer, on va essayer de changer un peu la taille en se mettant moyen. Moyen, en fait, ça ne fait pas ressortir grand-chose. Small, M. On va le mettre en L, donc, ce qui fera vraiment ressortir ce texte de manière bien grosse. Et enfin, on va mettre une image en avant, fabrication t-shirt.png. Donc, on va sur l'article. Donc, je rappelle que si jamais nous n'avons pas cette barre-là, il faut cliquer sur le menu réglage, enfin sur ce bouton réglage-là qui le fait apparaître ou disparaître. Je suis ensuite sur l'article et je vais mettre mon image mise en avant en allant l'insérer dans la médiathèque et on va téléverser les fichiers. Et celui-ci s'appelle donc Fabrication T-shirt. Il est dans Téléchargement. Je rappelle que le package de ressources est bien situé en description. Et donc j'ai oublié le titre. Il s'appelle Fabrication T-shirt. Fabrication T-shirt, il est ici. On va l'ouvrir. Et on va peut-être rajouter un texte alternatif qui sera fabrication de t-shirt. Et on va définir comme image mise en avant. Remplacer, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me propose... définir l'image mise en avant. Il ne me la trouve pas. Voilà, non, c'est une option simplement qui apparaît si jamais je veux la changer. C'est une nouveauté, ce n'était pas présent avant. Nous allons rajouter encore quelques éléments hein, pour faire des choses un petit peu plus présentables et des choses que nous n'avons pas encore présentées dans les vidéos précédentes. Donc tout à la fin, je vais rajouter un paragraphe qui sera une vidéo. Donc je vais aller télécharger une vidéo YouTube, puisqu'en fait, on ne va pas télécharger dans la bibliothèque de médias une vidéo. Il faudrait complètement l'uploader avant de pouvoir la lire. Il est important de déposer un fichier sur un serveur de streaming. YouTube est le plus connu, mais on aurait pu faire la même chose avec d'autres serveurs tels que Vimeo, par exemple. Je vais donc prendre un bloc YouTube et je vais aller coller ici l'URL d'une vidéo qui va représenter la fabrication d'un t-shirt. Donc on va lancer YouTube. Je vais chercher donc... une vidéo du type fabrication t-shirt. Et là, je vais peut-être rajouter heavyweight. Là, il va me
présenter différents types de fabrication. Donc il y a deux vidéos. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Je vais prendre celle-ci là. Ou celle-ci. Celle-ci a l'air plus sympathique, donc je vais prendre celle-ci. Elle est un peu plus animée, celle-là est un peu plus... Donc je vais cliquer sur la vidéo. Imaginez que c'est la vidéo que je souhaite. Je vais cliquer sur le bouton partager et je vais copier. Je peux couper parce que le son est inutile. Et je vais essayer maintenant de coller ça dans mon bloc. Donc je répète avant, hein, je reviens ici pour pouvoir coller, copier-coller. Ce n'est pas cette URL-là qu'on copie-colle, c'est l'URL que l'on obtient dans partager, ici, hein, et puis on fait copier. Une fois qu'on l'a copié, on retourne sur notre site, sur le bon onglet, et on va coller ça dans l'URL YouTube. Je fais embarquer, et la vidéo apparaît et est lisible dès à présent. On va peut-être essayer de rajouter un petit paragraphe au tout début pour avoir un texte en chapeau, parce que là, j'ai vraiment pas grand-chose. Donc, juste avant, expliquons le processus. Je vais aller à la ligne et ici, je vais saisir un nouveau paragraphe. Donc, on va mettre la fabrication du t-shirt. Ce vêtement emblématique de la mode contemporaine est le fruit d'un processus complexe et minutieux. Voilà, donc là j'ai mon chapeau, je vais appuyer sur Entrée et je vais créer un bloc, lire la suite. J'ai cette fois-ci bien pensé à mettre mon image mise en avant. Nous sommes presque prêts à publier notre article. Avant, j'aimerais quand même présenter un petit peu comment on fait pour mettre du texte en colonne. Donc, ce que je vais faire, on va ajouter ici un bloc colonne. Donc là, j'ai mon paragraphe, je vais à la ligne et je vais cliquer sur le petit plus et je vais appeler un bloc colonne. Je vais demander deux colonnes 50-50. Dans la première colonne, je vais mettre les 5 premiers points, les 5 premiers paragraphes. Alors, hop, 5 premiers paragraphes, CTRL X, et je vais me mettre ici, je vais ajouter un paragraphe, et je vais coller. Ensuite, je vais prendre les paragraphes 6 à 10, CTRL X, je vais à nouveau me mettre dans la deuxième colonne cette fois-ci et je vais coller. Donc je vais plus, paragraphe et je colle. Je vais ensuite faire un peu le ménage parce que là il me reste des choses qui servent à rien. Donc on va supprimer ce truc qui s'appelle titre. On va supprimer celui-ci également. Puis on va remonter pour voir si tout est à peu près bien positionné. Oui, nous avons des choses qui sont à peu près correctes. On va essayer d'organiser ça un petit peu mieux. On va essayer d'espacer un petit peu plus ces deux blocs. Donc là, je vais faire plus et je vais ajouter un bloc espacement. Au début de la vidéo, nous avions vu comment placer un bloc séparateur qui faisait un petit trait. Là, je vais présenter le bloc espacement qui permet de
gérer un espace entre deux blocs. Donc là, nous avons 100 pixels. On va pouvoir le régler ici en augmentant ou en réduisant. Hop. Ou en écrivant vraiment la valeur ici dans hauteur, 110. Voilà, donc là, j'ai bien 110 pixels qui va séparer mes colonnes de mon texte en noir. Tout en bas, nous allons à présent, donc sous la vidéo, rajouter un nouveau bloc qui s'appelle un bloc notes de bas de page, parce que j'ai des petits commentaires à faire et je voudrais qu'ils apparaissent en bas de mon article. Donc ce bloc notes de bas de page, il s'appelle footnotes, il n'a pas dû être traduit. Voilà, notes de bas de page. Si ça a été traduit, j'aurais même pu mettre notes de bas de page. Donc c'est l'endroit où les notes vont s'afficher automatiquement. Ensuite, on placera les notes de bas de page là où on souhaite les placer. Je vais par exemple mettre une première note juste après le texte jersey. Donc je vais faire la recherche texte jersey. Voilà, ici, là, donc après les guillemets, j'aimerais mettre une note de bas de page. Donc je vais cliquer sur le petit triangle qui se trouve ici. Et là, j'ai note de bas de page qui apparaît ici, au singulier. Hop, je suis renvoyé immédiatement en bas, et là je vais pouvoir noter le jersey est une matière douce et élastique, tricotée et fabriqué industriellement à partir de différents fils comme la viscose, la laine ou le coton. Voilà donc ma note de bas de page 1. Je vais essayer d'en placer une deuxième, juste après coton biologique. Donc, si je clique ici, hop, je suis renvoyé à mon petit 1. Donc je vais faire CTRL-F maintenant sur coton biologique. Voilà, alors coton biologique, il se trouve avant jersey. Donc ce que je vais voir, c'est si la numérotation se réadapte. Donc juste après coton biologique, je vais rajouter une note de bas de page. Hop. Et vous voyez que cette note de bas de page qui se trouvait au-dessus de jersey a été numérotée 1, et jersey qui préalablement était numérotée 1 vient d'être renumérotée 2. Alors sur cette note de bas de page, on va mettre un petit texte. On va mettre le coton biologique. Est une matière écologique. Il est cultivé sans pesticides, insecticides ou engrais chimiques. Ni OGM. Point. Mon article est à présent terminé. Donc je vais remonter. Donc on a bien notre jersey qui est noté 2 ici et numéroté 1 plus haut. On doit avoir. Alors, c'est pas évident de le retrouver. Coton biologique qui est numéroté 1 ici. Un simple clic me ramène directement à la note de bas de page. Nous allons à présent publier notre article et visualiser le résultat. Publier, publier. Mon article est à présent publié. Je vous rappelle qu'il s'agit de mon quatrième article. Donc quand je retourne sur ma page d'accueil, je me retrouve avec mon quatrième article qui se trouve ici et le premier qui vient se retrouver sur une deuxième colonne. Voilà donc la présentation de ce modèle de blog.
Cela clôture la présentation simple des articles. Nous allons poursuivre encore nos vidéos sur la notion d'article, mais cela ne présentera plus maintenant la rédaction. On va aborder d'autres thématiques dont je vous parlerai dans les vidéos suivantes. J'espère que cette dernière vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner.